What's the answer? Donc, on va répondre les méchants. This is it. Et voilà, notre premier point en connaissance. With the birth of the chariot persona, I have obtained the winds of... Donc, pour celui-là, il sera automatiquement quand vous serez revenu du château. Et pour celui-là aussi, il sera automatiquement. Voilà, le battleur, donc il se fait automatiquement et c'est fini pour la journée du 15. Alors, pour cette journée du 17, on va, avant d'aller se coucher le dimanche soir, on va aller sur le bureau de travail dérangé. On va le nettoyer. Great. Now... Et maintenant, on va fabriquer the materials this time. Try making a lock pick. Des kits de crochetage. Don't think too hard about it. Donc, on va en faire. On peut pas en faire plus. Ok, j'ai pas plus. Everyone starts off a little... Great. We should... Yeah. Ce qui va nous donner un point de maîtrise. Donc, arrivé le lundi 18-4, ce qu'on va faire après les cours, on va aller... On va aller... à la gare, dans la ruelle, et on va aller directement à la clinique. Hop. Well. Et on va lui demander, c'est très important, si elle a des médicaments spéciaux. Ça va nous faire gagner aussi un point de courage, par la même occasion. Donc, une fois que vous avez fini la clinique, on va examiner le magazine sur la table. On va jouer au mot croisé. Hey, hey. Et on va mettre le mot semestre. All right. I see. Nice. Voilà, ce qui vous donne un point en connaissance. Voilà, une fois que vous avez fait les mots croisés, vous allez dans votre chambre. Hey. Et on va nettoyer le sol couvert de déchets. Oh.
et on obtient le livre Les Pensées Sociales. Découverte de Yongcha. Alors, pour le 19 au matin, il va falloir répondre. Elles ont la même longueur à la question qui va être posée. Try to answer this. On va avancer. Voilà. Elles ont la même longueur. This is it. Ce qui vous donne le point de connaissance. Alors, après l'école, pensez bien à faire des sauvegardes. On va aller à la bibliothèque. Excuse me. On va demander le livre La Légende des Pirates. Donc je voudrais emprunter un livre. Et on va prendre Pirates de Légende. Here. Donc une fois qu'on a pris le livre, on va aller à la gare. On va aller au centre commercial souterrain. Et on va aller, on va se diriger chez la fleuriste. Welcome. Et on va acheter un nutriment bio. Alors, une fois le nutriment bio acheté, on va retourner à l'école. On va se rendre dans la salle de classe. On va sortir. Et on va aller parler avec Ryuji. Yo. Et on va passer du temps ensemble. Donc, passer du temps avec lui. Wanna get going? Donc, il va falloir répondre. Je compte sur toi. Là, au deuxième choix, vous répondez ce que vous voulez. Le troisième choix, pareil. Ce qui nous donne un confident. Rang 2. All right. Et le troisième choix, il se fera au téléphone, une fois arrivé devant le café. Donc on va avancer et on va répondre. C'est jamais trop tard. Alors, arrivé le soir, une fois que vous avez raccroché au téléphone, on va aller dans la chambre. Et on va les donner à manger à la plante. I've got a good idea. Hop. On va nourrir la plante. Oh yeah. Oh. Ce qui nous donne un point de gentillesse. Alors, une fois que la plante s'est faite, on va redescendre. Et on va aller parler aux clients. Voilà, une fois que c'est fait, on va aller au niveau des livres.
et on va lire Pirates de légende. Yeah, make sure you close up. Alors, pour le jour 20, le matin, on va lire de nouveau le Pirate de légende. Voilà, ce qui va nous redonner un point de courage. Donc, une fois vous arrivez après les cours, on va aller de nouveau à la bibliothèque. On va rendre le livre. What would you like? Thank you. What would you like? Voilà, et on va remprunter un livre. Et cette fois, on va prendre Zoro, le hors-la-loi. Here. Alors, une fois que vous avez pris les livres, on va se rendre dans la cour du lycée. Et on va acheter... C'est pas celui-là. C'est l'autre. On va acheter le maximum. Mais on peut en prendre qu'un. Et de l'eau. Ensuite, on va aller directement dans la ruelle. Hop. Et pareil, on va acheter le plus possible de ces deux produits. Voilà, une fois que vous avez fait ça, il vous reste à aller à l'école sur le toit. Et vous devez absolument infiltrer le palais aujourd'hui et atteindre le trésor. Donc tant que vous n'avez pas atteint le trésor, vous ressortez pas du palais. Alors juste avant d'entrer dans le palais, ils vous feront faire une modif pour... c'est un dictatel, hein, et ça vous permet d'activer le rang Arcane 2. Confident, maître de la prison. Alors voilà, une fois que vous êtes sorti du château, on va retourner dans le monde réel. Et on va examiner les banquettes du café pour pouvoir réviser. Yo. Now listen up. What do you want to do? Make sure you close up. Et voilà. Donc, arrivé le 21, on va envoyer la carte de visite. Voilà, on envoie la carte de visite. I've been waiting to hear you say that. Voilà, donc une fois arrivé au soir, une fois la carte de visite envoyée, on va monter. Très important, on va sauvegarder. Surtout, sauvegardez bien, car on va faire
fabriquer des outils. Et le but, c'est d'avoir 2 points de maîtrise et 1 point de bonus. Si on les a pas, il faut recharger et recommencer. J'ai rechargé 4 fois la partie. Voilà, on a réussi les 3 points. Donc, le 22, après l'école, une fois que vous arrivez au château, surtout, allez dans la chambre de velours. Et on va créer un nouveau persona. Time for some rehabilitation. Donc il faut être minimum niveau 9. Donc si vous faites le château, normalement vous passez niveau 9 facilement. Moi je suis niveau 10 ou 11, je sais plus. Donc on va fusionner des personas. You wish to perform an execution. Fusion. Et on va soit vous faites un cube avec Jack Lanterne. Not terrible, but not impressive. Select the skills you'd like to inherit. Donc vous choisissez ce que vous voulez. Celui-là c'est pas mal et celui-là c'est pas mal. Will be nothing unusual. My, my. Vous passez. Voilà. Celui-là, il vous servira plus tard. Ensuite, si vous avez Skilly avec Agation, not terrible, but not impressive. Ça vous fera la même chose. Ensuite, vous pouvez faire aussi. Là, je l'ai pas. Si vous avez Kelpie et Mandrake, vous pouvez le faire aussi. Donc, je vous rappelle, un cube plus Jack Lanterne, Skilly, Agathion ou Kelpie plus Mandrake. Donc, vous avez 3 formules différentes. Donc, moi, j'en ai récupéré un. Ça vous donne de toute façon toujours le même. Mais il sera important pour le prochain, pour dans l'aventure un peu plus loin. Alors maintenant, il faut finir aujourd'hui le trésor. Donc le 22 après l'école. Et il faut essayer de récupérer à peu près 20 000 yens. Moi, j'ai... Combien d'yens? J'ai 26 000 yens, donc moi je suis tranquille. Mais il vous faut à peu près 20 000 yens. Tout en sachant que quand vous terminez le donjon, ça vous rapportera 12 000 yens. Donc, une fois que vous récupérez le trésor dans la salle du coffre, vous avez d'office le confident. Voilà, une fois que vous avez battu Kamoshida dans son palais, vous arrivez le soir au Café Leblanc. Donc, ce qu'il faut faire, c'est s'approcher des livres et on va lire Zoro le hors-la-loi. Make sure you close up. Alors voilà, on se retrouve le 23 au matin à l'école. Donc là, il va falloir répondre tout à la fois.
on va avancer. Et là, on va répondre tout à la fois. This is it. Voilà qui nous donne le point de connaissance. Alors, le 23, après l'école, il va falloir aller avec Ryuji pour atteindre le rang 3 de l'arcane du chariot. Donc, on va avancer. Je vais m'entraîner. La première réponse, c'est évitons de nous battre. La deuxième, calme-toi, Ryuji. Voilà, pour le rang 3. C'est pas fini, il va y avoir un choix au téléphone. Là, on va répondre. Je peux pas vraiment t'en vouloir. Voilà. Ensuite, arrivé au soir, on va aller parler à Sojiro. Yo. Parlons. Yo. Hey, how's school? Voilà, ce qui va nous permettre d'augmenter le pop. Alors, on arrive au dimanche 24, donc on va aller acheter là où Girou goûtait à la buvette du passage souterrain. Donc on va aller à Shubira. Shubia, pardon. Passage souterrain. Et on va aller acheter la boisson. Et on va acheter pour 5000 yens. Voilà. On a un point de charme. Maintenant, on va se rendre dans la rue principale. Et on va aller faire un tour au cinéma. Donc, le cinéma, c'est tout droit. Alors, une fois arrivé le soir, on va aller visiter
Les bains publics. Alors, les bains publics, c'est... Chaque fois je me trompe, c'est dans la ruelle. Hop. Je me suis encore trompé. C'est la ruelle qui est là, voilà. Et voilà. C'est tout pour le 24 avril. Donc, on arrive au 25. Donc, arrivé dans le métro, on va lire Zoro le hors-la-loi. Ce qui nous donne un point de gentillesse. Ensuite, arrivé en cours, il va y avoir deux réponses à donner. Donc, la première, c'est « Tu te soutiens aveuglément ». Tu le soutiens aveuglément, pardon. Et la deuxième, c'est « Tu dois tout faire pour améliorer ». This is it. Ce qui nous donne un point de charme. Ensuite, après les cours, on va aller à la bibliothèque. On va rendre Zoro. Et on va emprunter la danse attrayante. Here. Ensuite, toujours après les cours, une fois qu'on a fini de prendre le livre, on va aller voir Takemi. Et on s'y rend immédiatement. Donc on va répondre, j'ai un souffle au cœur. Ensuite on va répondre, c'est clair. Ce qui nous donne la mort au rang 2. Alright. Et c'est pas fini. On va avoir un choix à faire au téléphone. Plus le courage. Et la réponse au téléphone, on va dire que tout va bien. Ensuite, arrivé au soir, on va parler à Sojiro. Hey. On va l'aider. Ha. Well. Alors, choix numéro 1, préparer le café. Choix numéro 2, ce type me paraissait louche.
Et j'ai envie de plaire aux femmes. Voilà, ce qui améliore le pape. Ensuite, on va avoir un choix à faire au téléphone. Ça nous donne la gentillesse. Et là, on va répondre « Compris ». Donc, on se retrouve le 26. Alors, après l'école, on va aller à la bibliothèque. Pas pour lire. Mais on va aller regarder le coin pour réviser. Alors, je sais pas où il est. Coin pour étudier. Allons-y. Voilà, ça nous donne un point de courage. Plus un point de connaissance. Ensuite, on avance jusqu'au soir. On va aller parler aux clients. Jusqu'à ce qu'ils partent. Donc on va continuer. Voilà, une fois qu'il est parti, on va examiner le siphon de café. Et je vais faire du café. Yes, all right. Ce qui vous donne un point en charme. Let me explain. Alors, on arrive au 27 en classe. Il faut répondre le théorème des quatre couleurs. Donc, le théorème des quatre couleurs. This is it. Ensuite, après l'école, on va aller avec Ryuji. On va s'y rendre immédiatement. Oh, hey. Hey. Voilà, passer du temps avec lui. Voilà pour Ryuji. Donc ensuite le soir, on va faire des mots croisés. Hey, hey. On va faire des fleurs. Enfin, on va répondre fleurs. Maintenant, on va parler à Sojiro. Donc,
va l'aider. Donc choix numéro 1, fine mais pas trop. Là, des problèmes. Voilà, pour le pape en 3. Et on va avoir un choix au téléphone. Et on va mettre merci d'avance. Donc, on se retrouve le 28. Après l'école. On va parler à Ryuji. Et on va le rejoindre. Répondre. Tu t'inquiètes pour lui. Et enfin, mais tu t'en sors bien. Voilà, ce qui nous met le chariot au rang 4. All right. Ensuite, une fois arrivé au Café Leblanc, le soir, on va aller dans la ruelle et on va retourner au bain public. Alors que je me trompe pas. Le bain public. C'est ici. Donc un point de charme. Donc, on se retrouve en journée du 29. On va aller voir Takemi. S'y rendre immédiatement. I should write something. Passer du temps avec elle. Alors là, pour les choix, le premier, on va mettre n'importe quel choix. Le deuxième, on va mettre n'importe quel choix. Et là, par contre, pour le troisième choix, on va mettre ça ne me dérange pas. Nous augmente le confit dans la mort. Alright. Et bien sûr, on va avoir comme d'habitude un coup de téléphone. Ça nous donne du courage aussi. Et là, on va répondre bien sûr que non. Voilà. Et arrivé le soir au bain pub. Au Café Leblanc, on va aller au bain public. Je sais même pas si on l'a pas débloqué. Si, bain public, ça va plus vite. What do you want to do? Allons-y.
Voilà. Alors, on arrive au 30 le matin dans le métro. Il va falloir lire le livre La danse attrayante. Une fois en classe, il va falloir répondre. Prodige. Donc cette orthographe. Je vérifie que je dise pas de bêtises, c'est bien ça. Et enfin, enfant. Et enfant prodige. Et c'est ça. Alors, ensuite, après les cours, on va aller dans le passage souterrain. À Shibuya. Et on va aller examiner les magazines d'intérim. Donc, que je fasse pas de bêtises. On en a ici. Magazine d'intérim. Et on va aller postuler au 777. Donc maintenant qu'on a postulé, on va aller dans la rue principale. Et on va aller au 777. Voilà, ce qui nous donne le point de charme. Et enfin, pour la dernière journée du mois d'avril, on va aller directement au bain public encore une fois. Voilà, ça nous redonne encore un point de charme. Voilà qui clôture le mois d'avril. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, vous abonner. Et laisser un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et on se retrouve pour le mois de mai. Allez, ciao, ciao.